Maintenant, je voudrais juste préciser aux jeunes, les générations des années 90, 2000, à propos de Claude François, comme on en parle beaucoup en ce moment, puisqu'il est mort il y a 40 ans, c'est l'anniversaire de sa mort, on nous présente comme la star de l'époque, adulé. Attendez, oh, on n'était pas tous fans non plus, on était quand même quelques millions en France à pas être du tout fans de Claude François. Hein. Non, parce que le style mise en plis, blond, hyper laqué, costard à paillettes, les pompes blanches vernies, le pantalon avec poutre apparente, moule-boule, les paroles gnangnan, la musique plomb-plomb, eh oh, on était loin d'être tous fans de Claude François, je vous le dis tout de suite. Non, mais on est obligé de leur préciser. Après, déjà qu'ils nous prennent pour des cons, les jeunes, en plus, ils vont nous prendre pour des cons débiles, ça va. Et puis, juste une dernière petite info, en passant, si quelqu'un qui me regarde aujourd'hui a décidé de m'inviter à un mariage, un anniversaire, une fête, une teuf, enfin, je sais pas quoi, si vous avez autre chose à passer dans la soirée que Claude François ou Gilbert Montagnier, on va s'aimer, ça serait cool. Non, parce que là...